la semaine, Lily Rose. Mourdette, t'as dit, après j'ai plus. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces élèves qui mangent en classe? Allez les enfants, c'est la récréation, non, tout le monde je n'ai pas d'amis, je veux travailler. Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Alors aujourd'hui on va faire rentrer un jour vs un mois. Let's go. C'est parti. T'es sûr? Bien sûr. Et mettez un like sur cette vidéo s'il vous plaît. Allez, vous avez 3 secondes. 3, 2, 1, vous mettez un like, vous vous abonnez, vous mettez un commentaire. Racontez votre rentrée. 3, 2, 1, go. Bon les enfants, j'espère que vous avez fait vos devoirs. J'espère qu'elle va avoir 10 sur 10 parce qu'avec cette joie. Je dirais que je lui mettrais bien 10 sur 10. Non, non, mettez 0. Bon, écoutez, les élèves, je vais déjà vous donner les devoirs pour demain. Vous me ferez l'exercice 5, page 30, s'il vous plaît. Et j'espère qu'ils ont fait les devoirs pour aujourd'hui. Eh ben, j'espère bien, j'espère bien. Je me pose même pas la question. Alors, Lily Rose, est-ce que vous avez fait vos devoirs? Oui. Non, mais c'est sérieux? C'est un bout de papier comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce confetti? Non mais c'est pas possible. Non mais c'est ça vos devoirs? Vous venez de les faire là, en plus on vous a vu. Où est-ce que vous avez appris à faire vos devoirs? 2 fois 2, 4, 2 plus 4, 8. Oh très bien, on va pouvoir travailler. Alors, allons-y les enfants. Alors maintenant nous allons commencer la leçon sur l'imparfait. Ouais. Ma petite Lily Rose, savez-vous ce que c'est que l'imparfait? Oui. Alors, c'est un temps attendu. Passé. Passé. Est-ce que vous pouvez conjuguer être à l'imparfait? J'étais. Tu étais. Il était. Nous étions. Vous étiez. Ils étaient. Formidable. On n'a jamais vu des élèves. Nous allons commencer le passé simple. Ah non, je ne sais pas du tout. Que se passe-t-il, Lily Rose? Mais nous sommes ici pour apprendre, ma petite Lily Rose. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait conjuguer à l'imparfait? Oh, pas assez simple, excusez-moi. Être, pareil. Alors. Je sais pas. Bon, maintenant nous allons faire une petite leçon d'anglais. Les jours de la semaine, Lily Rose. Mourdette, t'as dit, après je sais plus. Je sais plus. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi cette attitude en classe? Vous apprenez pas vous? Mais je sais plus. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi? Bon, allez, allez, bah révisez ça tout de suite. Et d'ailleurs ça, vous allez le débarrasser. C'est n'importe quoi. On n'est plus à la cantine. Non, non. Donnez-moi. Mais la poussette mange. Oh, c'est quoi ces élèves qui mangent en classe? Mais qu'est-ce que c'est que ces élèves qui mangent en classe? J'en attrape un rhume. Un rhume, un éternuement de... c'est pas possible. Mais moi, retirez vos pieds de la table. Non, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette tenue? Merci pour les massages. Mais c'est pas possible, cette élève. D'où vient-elle? Oh, mais il y a plein de catastrophes aujourd'hui. Bon, allez, ça suffit. Et votre cartable? Vous comptez en faire quoi? Allez, on y va, ça recommence. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec une élève? Non, non, celle-là, celle de l'élève, elle est moche en plus. Ça y est, c'est la rentrée. Rentrée, les enfants, rentrée, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Quelle belle journée, quelle belle journée. J'espère que vous êtes contente d'arriver à l'école. Oui. Ah, c'est l'heure de la rentrée, entrez. Salut les enfants. Bah dis donc. Non mais c'est quoi cet élève là? Et puis on mange pas en classe? Non mais c'est quoi cette école? C'est un bruit, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi cette école? C'est hallucinant, c'est pas, je vous jure, une élève qui rentre n'importe comment. Bon écoutez les enfants, là il est pratiquement l'heure de que la classe se termine, on va pouvoir faire le ménage. Ouais, 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 calmez-vous, mais... Oulala, mais vous me faites mal, dis donc, Lily Rose, calmez-vous. Il faut nourrir le poisson aussi. N'oublions pas le... Non mais allez, il faut nourrir le poisson aussi. Non mais j'espère qu'elle va pas donner tout et n'importe quoi au poisson. Attention les roses, attention, faut pas que le poisson ait une indigestion. Non mais cette année les élèves c'est vraiment n'importe quoi, ils sont super contents d'être à l'école. Enfin mon petit... Allez, j'ai vu un peu de poussière par là. Non. Oh là là là. Oh, je lis tout. Oh, ça, tu l'as.
incroyable, c'est incroyable. Il est revenu, Rose. Calmez-vous, calmez-vous. Gardez votre énergie pour ce soir, pour la maison, pour faire vos devoirs. Mais arrêtez donc, arrêtez donc, les Rose. Dépêchez-vous. Non mais je pense qu'elle veut que vous fassiez le ménage à sa place là. Non mais je rêve, j'ai peur, allez. Non mais Lily Rose, c'est pas des manières. Vous pouvez pas forcer votre maîtresse à faire le ménage comme ça. Non mais au début de l'année, vous étiez super contente de faire le ménage. C'est n'importe quoi ces élèves. Oula, et en plus la maîtresse casse le plafond. Non mais c'est pas des manières de se comporter ça. C'est pas des manières de se comporter ça. Allez les enfants, c'est la récréation. Bah Lily Rose, il faut un peu se distraire. Non mais t'as pas d'amis, c'est ça. Faites-vous des amis. Allez, est-ce qu'il y a d'autres enfants? Mais non mais Lily Rose, tu peux pas travailler toute la journée, on est obligé de faire des postes quand même. Allez, allez rejoindre vos camarades. Non. Laissez rentrer cette pauvre petite fille. Bon bah écoutez, exceptionnellement Lily Rose, je vais vous faire travailler pendant la récréation, mais c'est exceptionnel. Oh mais c'est n'importe quoi, on n'a jamais vu ça dans une école. Marguerite, tenez les élèves dans la cour. Allez. Bon, allez, on rentre. Pas possible, tous ces élèves qui veulent pas aller en récréation cette année-là. Ah, il est l'heure de la récréation. J'en reviens pas, cet élève. Mais quelle énergie pour aller en récréation. Et pour faire ses devoirs, surtout. Non, mais revenez. C'est par ici, la récréation. Mais qu'est-ce que... C'est pas possible. Mais elle va se mettre en danger. Ah, n'importe quoi. Revenez ici, là. Vous allez tout faire tomber. Vous allez saccager le jardin. C'est n'importe quoi. Allez, revenez. Toute cette énergie. Je vais tout casser. Pourquoi vous ne gardez pas cette énergie pour vos devoirs, mademoiselle? Elle n'a pas le temps, je pense. Elle est trop occupée à jouer. Bonjour les enfants et bienvenue à la cantine de l'école. Alors aujourd'hui, je vous propose une poire, une baguette, un verre et des couverts, voilà. Alors bon appétit et surtout, faites du sport, hein, mangez tout. Allez, mangez tout, allez hop. Et je veux pas avoir un seul reste, c'est n'importe quoi ça. Ouais. Non mais c'est quoi ces manières là? On fait pas ça dans la cantine. Non mais tu... Allez, je vais vous servir là, donc vous allez... Non mais si, il faut le prendre. Oh non. Hop, revenez ici tout de suite. Non, sinon... je mange pas. Tiens ton truc là. Non mais c'est très bon. Il y a plein de baguettes qui aiment. Il y a plein d'enfants qui aiment bien les baguettes. Bah oui, c'est des protéines. Et ça aussi, ça c'est des fruits. C'est bon pour votre santé. Non. Vous préférez aller où? Au McDonald's peut-être? Bah ouais. Bah c'est n'importe quoi. Allez, prenez ça et ça. Ça suffit. Prenez votre livre à la page 34 et vous faites l'exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oui. Formidable. Mais vous êtes content de faire des exercices? Oui. Vous dépêchez? Oui. Non mais on n'a jamais vu des élèves comme ça. Punaise, elle est vraiment... Extraordinaire, cet élève. Extraordinaire. Et en plus son sac. Et d'ailleurs, vous avez fait les devoirs pour aujourd'hui? Et vous avez fait quoi? Tout le programme de l'année. Même tout le programme de l'année? Vous ferez également l'exercice numéro 12, 13, 14 et... Allez, maintenant nous allons commencer les exercices. Non mais c'est ça vos exercices? Mais j'hallucine, qu'est-ce que vous faites? Non mais c'est ça vos exercices? Mais c'est mon exercice. Non mais montrez-le nous, madame Gisèle. C'est quoi cet exercice? Regardez. Non mais c'est pas Voici possible. Voici le nouvel exercice sur l'imparfait de madame. Et ça vaut combien sur le bulletin? Bah rien du tout. Allez, mettez-lui 0, prenez son stylo. Attends. 6 sur 10. Non mais vous pouvez pas vous mettre des notes tout ça ne vaut rien, je ne noterai pas sur mon cahier. C'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Oh mais ces élèves sont vraiment insupportables. Je ne sais plus quoi faire. Après la rentrée, un mois plus tard, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a plu, n'est-ce pas? À liker, à commenter, à vous abonner. Donc merci beaucoup à Roxane, à Hector, à Youyou. Et un dernier prénom de ta classe. Alors donc voilà, au revoir.